est réglé. Ça fait 9 marques. Vous allez rentrer? J'attendais quelqu'un, mais il ne viendra plus, alors il est temps que je rentre. Ah, c'est encore un peu tôt. À peine 10 heures. Déjà 10 heures? 10 heures moins le quart. Bon, alors je rentre. Je rentre chez moi. Et si je vous proposais un verre de vin, tous les deux? Un bon petit rosé, hein? Tous les deux? Ça vous plairait? Pourquoi? Pourquoi? Vous êtes drôle. Simplement pour le plaisir. Le plaisir? Oui, le plaisir. Et pour ne pas me laisser seul. Je ne pense pas utile de vous le dire. Vous avez sans doute remarqué que vous ne me déplaisiez pas. Non, je n'avais rien remarqué. Vous n'étiez jamais seul. Mais ce soir, vous l'êtes. Je ne rate pas cette occasion. Est-ce que vous voulez rester? Je vais fermer à minuit pile. Moi, je n'attends personne. Et vous, vous avez tout le temps. J'ai fini par prendre mon courage à deux mains. Il y a longtemps que j'avais envie de le faire, le jour où vous seriez seul. Et comme vous l'êtes, je tente ma chance. Est-ce que j'ai tort? Vous êtes d'accord? Une bière, s'il vous plaît. Je crois que je vais fermer un peu plus tôt. Alors vous attendez, hein? Ok? Mais attendez! Cette femme est morte. Mais enfin, vous ne l'aviez pas vue? On l'a poussée sous ma voiture. On l'a poussée sous ma voiture, là, juste sous les roues. Et je n'ai pas pu arrêter. J'ai vu un homme s'enfuir. De ce côté-là, j'ai vu un homme courir très vite. Ma mère a dû le voir aussi. Restez là. Maman, est-ce que tu as vu l'homme qui s'enfuyait? Oui, la femme était là. Elle se tenait au bord du trottoir. J'ai,
J'ai pensé tout de suite, pourvu qu'elle ne bouge pas. J'ai cru qu'elle allait traverser, j'étais déjà prêt à freiner. Et cela, ça fait sans doute plus de 30 ans que je conduis, sans accident. Et j'ai presque 1 million de kilomètres sous les pieds. Je n'ai jamais eu le moindre problème, ça je vous le jure. Je suis très prudent. Je roulais et puis soudain, j'ai vu la fille s'envoler. Et un gars derrière elle. Oui, il l'a poussée tout d'un coup. Mais dis quelque chose. Elle a tout vu aussi. Elle a vu l'accident comme moi. Elle est assez vieille. Voyez-vous, elle porte pas de lunettes, mais elle y voit très très bien. Mais oui, venez. Mais dis quelque chose, maman. Venez, monsieur, allons nous asseoir. Pas de panique, calmez-vous. Allez. Faites-nous sa description, monsieur. Naturellement, il est facile à décrire. L'homme était grand. Mais grand comment? Moyen, grand ou petit? Était-il gros? Était-il mince? Vêtu de quelle sorte? Réfléchissez tranquillement et prenez le temps de répondre. J'en sais rien. Je sais seulement que ses yeux faisaient comme une tache blanche. Je suis inspecteur de la police criminelle. Je voudrais voir Mme Helga Wichmann. Oui, bien sûr. Entrez, monsieur. Par ici. Attendez une minute. Maman ? Maman ? Tu viens, s'il te plaît ? Ralph ? Mais pourquoi es-tu debout ? Mais qu'y a-t-il donc ? Policier, maman. Policier ? Que font des policiers ? Chez nous, au milieu de la nuit? J'en sais rien. Bonsoir, messieurs. Bonsoir, madame. Bonsoir. Je m'appelle Derek. Voici monsieur Klein. C'est bien ici qu'habite Helga Wichmann. Ma belle-fille, c'est exact. C'est sa carte d'identité? Je suis porteur d'une triste nouvelle, madame. Votre belle-fille est morte, écrasée par une voiture. Comment vous dites? Un accident de voiture? Selon certains témoins, quelqu'un l'aurait poussé sous une voiture. C'est un meurtre. Maman. Seigneur Dieu. C'est atroce. Un meurtre, disiez-vous? C'est une mort effroyable. Expliquez-moi. Pousser Helga sous les roues d'une voiture. Mais qui a fait ça? L'assassin a disparu. On n'a pas retrouvé de piste. Il faut appeler Eberhard au téléphone, son mari. Tu peux me dire l'heure? Il est 10:30. Ce soir, mon fils est parti à Stuttgart. Je vais pouvoir le joindre. Il a le téléphone dans sa voiture. J'ai mis le calepin dans ma chambre. Veux-tu aller le prendre? Oui. Maman? Répète, j'ai pas entendu. Helga et quoi? Allons, parle donc plus fort, j'entends pas. Tu pleures ou quoi? Que se passe-t-il? Oui, j'ai compris maintenant. Oui, je serai là dans une demi-heure. Que ces messieurs m'attendent. Foncez tout de suite. Je ne sais pas du tout qui peut être suspect. Moi, je ne peux rien vous dire. Tout cela me dépasse complètement. Je suis incapable de donner un renseignement qui pourrait faire avancer l'enquête. Ralph, va dans ta chambre. Il vaut mieux que tu ailles te coucher. Je vais attendre Eberhard. Il va venir tout de suite. Il n'est pas nécessaire que tu l'attendes.
Helga est morte. Je suis au courant. Mère me l'a annoncé. Wichmann, bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Ma mère vient de m'informer. Où ça s'est passé? Dans la Emmalinstrasse, devant un bistrot. L'assassin devait attendre votre femme dehors au bord du trottoir. C'est là qu'il l'a vivement poussée. Est-elle morte sur le coup? Oui, sur le coup. L'assassin a-t-il été vu? Oui, par le chauffeur de la voiture qui a écrasé votre femme et également deux ou trois autres personnes. Vous devez donc avoir une description de cet inconnu? Non, 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 nous n'en avons pas. Aucune description? L'homme s'est tout de suite enfui. Vous savez que c'est un homme? C'est déjà une indication précise. Oui, de cela on est certain. Nous allons être tributaires de ce qu'on va savoir au sujet de votre femme. Le moindre détail peut nous apporter des indications importantes. Car ce meurtre n'est pas dû au fait du hasard. Monte te coucher, mère. Je me charge de tout. Emmène Ralph, veux-tu? Tu as entendu? Oui. Viens, maman. Vous avez raison. Ce meurtre n'est pas le fait du hasard. Il est très logique de se poser des tas de questions. Bien sûr. Le comportement de ma femme vous intrigue. Entendu. Je sais que vous aimeriez bien en savoir plus. Je vais vous en parler. Ma femme n'a jamais mené la vie que j'avais espérée. Elle a eu de nombreux amants. Tous d'un genre plutôt douteux. En changeant selon son humeur. Excusez-moi de devoir vous apprendre ça, mais c'est la vérité. Pourriez-vous en dire un peu plus sur ce point, c'est-à-dire, nous espérons, des noms? Pas un. Je devais tolérer ces escapades sans pipe et mot. Mais pas demander de détails ou les noms de ses amants. Je ne peux rien vous dire d'autre. Pourriez-vous nous dire si votre femme avait sa chambre dans la maison? Au premier étage. On peut y aller? Bien sûr. Ils ne sont plus dans le living room. Je vais monter. Ne bouge pas. Voilà, c'était sa chambre. Vous savez où elle conservait les choses personnelles? Choses privées, agenda, numéro de téléphone, journal intime, nom de ses amants? Non, pas du tout. J'ignore où elle les mettait. Ça fait des années que je n'ai pas collé les pieds chez ma femme. Mais allez-y, jetez un coup d'œil. Elle est morte. Tu es content? C'est dans la logique des choses. Une issue que j'avais toujours prévue. Un jour ou l'autre, il fallait que ça arrive. Et jamais je n'avais pensé que ça puisse finir autrement qu'ainsi. Une vie consacrée à ce genre d'existence ne pouvait avoir d'autre issue. Et c'est tout ce que tu trouvais dire? Je n'ai pas autre chose à dire. Tu l'as ici longtemps que ça? Non. Pourquoi est-ce que tu parles de haine? Je n'ai aucune haine. On peut manger quelque chose? Tu voudrais manger? Je vais te faire des œufs au jambon. Ou alors un bon steak si tu veux. Oui, c'est une bonne idée. Eberhard? Oui, maman. J'ai trouvé quelque chose. C'est un calendrier où elle avait marqué ses rendez-vous. Robert à 16h. Hein, il revient souvent celui-là. Avec un monsieur Werner H. Point. C'est rempli de noms ce machin-là. Les adresses sont marquées? Non, des numéros de téléphone.
Pas un seul jour, sans rendez-vous, cela même la nuit. Elle n'a raté aucune occasion. Trouvez une photo. Elle avait un air d'une innocence. Comment se méfier d'elle? Et son mari s'en fout complètement. C'est aussi l'impression que j'ai eue. Alors, ça te plaît? C'est excellent. Ça m'étonne que tu saches cuisiner de la sorte. Ouais. Qu'est-ce que tu veux boire? Un jus d'orange, ça va? Non, donne-moi un peu d'eau. Ouais. Oui. Pardon, mais est-ce que je peux entrer? Naturellement. Nous avons trouvé un calepin dans la chambre il y a un instant. J'ai noté une chose curieuse. Il n'y a pas d'adresse, mais que des noms. Rien que des messieurs. Et alors? Qu'est-ce qui vous paraît tellement curieux? Supposez-vous avoir trouvé quelque chose d'aussi énorme? Ce n'est qu'une liste de ses amis, du moins je suppose. C'est bien ça. Qu'y a-t-il de curieux? Il n'est pas dans mon intention de vous en parler en termes de haine. Ma belle-fille ne l'a en rien mérité. Ce n'était pas son style, pas son caractère. Elle m'était très chère. Très, très chère. Et je l'aimais. C'est une chose atroce. Vous savez quel lien il y avait entre eux, les rapports qui existaient entre votre belle-fille et votre fils, chère madame? Vous dites les liens? Inexistants. Vous comprenez? Je ne voudrais pas qu'on suppose qu'ils s'entendaient. C'était des étrangers. Excusez-moi, mais si tel était son comportement, est-ce que votre fils n'aurait pas dû réagir? Entrez. Bien. Alors, avez-vous trouvé des choses intéressantes? Progressez-vous? Oui, nous avons découvert un calepin avec des numéros de téléphone et avec des noms d'hommes. On a toujours eu l'habitude de noter tout ce qu'elle faisait. Je pense que ce que vous avez sera utile à la suite de vos investigations. À l'heure du crime, vous rouliez entre Stuttgart et Munich, d'après ce que j'ai entendu. Oui. Je devrais vérifier. J'en suis désolé. Oh, inutile d'être désolé. Cela m'aurait surpris qu'on ne me pose pas la question. J'étais avec mon chauffeur. Il habite la maison du jardinier. Pardon. Vous êtes étonné, je suppose, que je ne sois pas attristé par cette mort. Elle m'indiffère, c'est tout. Je vais vous dire qu'en quelque sorte, pour moi, cette mort représente une solution. La solution d'un problème. Je me trouvais dans une très bizarre situation. Maintenant, j'en suis sorti. Bien entendu. Et vous restez d'un beau sang-froid, en tout cas. Oui, ça paraît étrange, sans doute, mais ça n'a rien d'anormal. Et il a un alibi, Harry. Bon, j'en connais des tas qui en ont. Il a son chauffeur. Ça te suffit? Voyons, assez.
Excusez-moi, savez-vous où il me serait possible de rencontrer M. Robert Berger? Vous avez de la chance, c'est justement lui. Merci infiniment. M. Robert Berger? Oui? Police criminelle, est-ce que nous pouvons discuter? À propos de quoi? Vers 22h hier, où vous trouviez-vous? Où j'étais? Où vous vous trouviez et ce que vous faisiez? Pourquoi donc? On a besoin de votre réponse. Je suppose que j'étais rentré vers 22h? Oui. Oui, j'étais à l'appartement. Mais dites-moi, vous devez avoir une raison pour être venu me le demander. Oui, on a une bonne raison. Car hier soir, vers 22h, Elga Wichmann a trouvé la mort. Madame Killer? Madame Killer! C'est ma logeuse. Elle est sortie, mais elle peut vous dire qu'hier soir, j'étais à la maison. Où est votre chambre? De ce côté. Vous allez me suivre? Voilà. Je ne suis pas sorti de la soirée. Je me suis absenté juste quelques instants. Pour boire un coup. Il devait être 9h, je suppose. J'ai bu une bière et je suis revenu. Je suis en plein examen, je voulais pouvoir le préparer. À 22h, je me trouvais ici. Là-bas, j'étais assis sur cette chaise. Madame Wichmann était une camarade. Qui vous a dit ça? L'était-elle ou pas? Là est la question. Oui, je la connaissais. Si c'est vraiment celle à qui je pense. Mais de qui vous parlez? Nous avons sa photo. Ah, oui, oui. Oui, c'est elle. Vous étiez son amant? Bon, c'est un bien grand mot. Je ne l'ai pas vue durant des jours. Vous l'avez encore vue lundi dernier? Et le jeudi de la semaine précédente? Ça ne colle pas avec ce que vous venez de dire. Lundi? Et jeudi? Il y a 8 jours, on était le 13. Nous avons ça. Les jours sont marqués. Ah, oui, c'est exact. Oui, j'avais oublié, nous nous sommes rencontrés. Je ne l'ai entrevu qu'un court instant, 2 petites minutes. J'avais plus de rapport avec elle. Hier, nous étions mardi, Harry. Oui. Regarde un peu un mardi, alors. 21h, R. R, comme Robert. Hier, à 9h. Ok, c'est exact. Elle voulait que je vienne la voir. Elle a téléphoné. Quelquefois, elle ne cessait de me relancer. Seulement, je lui ai dit que je ne pourrais pas y aller. Je ne suis pas allé à son rendez-vous. Je ne ressentais plus rien pour elle. Pas grand-chose, de toute façon. C'était amusant, d'accord. Vous savez, quand quelqu'un vous fait de pareilles propositions, c'est difficile de répondre non. Ça ne tire pas à conséquence. Il faut le prendre comme un interlude. Pas plus que ça. Je vous le jure. Voici ma logeuse. Je suis content de vous voir, Madame Killer. Ce sont des policiers de la brigade criminelle. Je dois leur expliquer où j'étais hier soir vers 9h. Mais vous allez leur dire que je ne suis pas sorti, n'est-ce pas? Brigade criminelle? Bonjour, Madame Killer. Je m'appelle Derrick. Voici Harry Klein. Bonjour. Où Robert était? Oui, hier à 9h du soir. Oui, j'ai compris. Pourquoi désire-t-il savoir ça? Vous avez besoin d'un alibi? Oui, très exactement. Oui, et vous avez besoin d'un alibi à cause de quoi? Une amie est morte hier. Il s'agit d'un meurtre, selon eux. C'est fou, n'est-ce pas? Et ces messieurs ne font que leur métier, ils se renseignent, mais ce n'est qu'une formalité. À 21h, hier soir, n'est-ce pas? Oui, oui. Voyons, attendez, votre chambre était éclairée et la radio était en marche. Et voilà. Oui, mais moi, je ne sais pas si vous étiez dans votre chambre. Vous avez l'habitude de laisser la lumière chez vous et la radio en marche quand quelquefois vous sortez. Peut-être vous vous souvenez que je vous ai dit souvent de tout fermer quand vous n'étiez pas Madame là. Killer, je sais que c'est arrivé plusieurs fois, mais maintenant plus, je prends soin de fermer la radio. À 9h, j'étais ici. Bonjour, Monsieur Werner S. Oui, pourquoi? Police criminelle. Nous voudrions vous parler. À propos de quoi? Eh bien, à propos de la mort de Madame Wichmann. Quoi? Elga Wichmann est morte. Oui, écrasée par une voiture. Je vais vous poser quelques questions. Mon Dieu, écrasée par une voiture. Dans la soirée d'hier. Et ce serait un meurtre, que s'est-il passé? Si on entrait une minute. Bien sûr, je vous en prie.
Soyez discrets, messieurs. Ma femme est à la maison. Elle ne doit pas connaître la raison de votre visite. Désolé de vous demander ça. Oui. Ah, Margot, j'avais oublié que j'avais de la visite. Je vous en prie, messieurs. Des collègues de travail. Venez par là. Veuillez vous asseoir. Excusez-moi, il était nécessaire que je trouve un échappatoire. Pourquoi ? Vous aviez besoin d'un échappatoire ? Pourquoi ? Je voudrais d'abord savoir comment s'est produite la mort de Mme Wichmann. Vous connaissiez cette femme, monsieur ? Oui, je l'ai connue pendant une soirée que nous avions dans notre société. Ceci est l'agenda de la défunte. Votre nom y figure parmi plusieurs autres. Parmi d'autres ? Mais pourquoi mon nom ? Pour des rendez-vous. L'avez-vous vu très souvent ? 6 ou 7 fois ? Et vous étiez son amant, n'est-ce pas ? Mais je ne comprends pas ce qui arrive. Je suis là-dedans. Enfin, vous dites que j'y suis. Il doit s'agir d'un hasard fortuit. D'où est-ce que vous le savez ? On vous a vu avec elle pendant un séjour à Innsbruck. Innsbruck ? Oui, vous y avez couché avec elle et ce n'était pas la première fois. C'est du moins le renseignement que nous avons. D'accord. D'accord, je ne nie rien. Non, seulement, nous n'avons eu que de très courtes relations. Si cette fois, c'est exact, mais aucune autre. Tout cela, c'est du passé. Il y a longtemps que je ne la vois plus. Les notes à ce sujet remontent à 15 jours. Non, je vous dis que c'est faux. C'est de la folie. Monsieur, croyez-le, je n'ai plus la moindre relation avec cette dame. C'est entendu. Nous avons fait l'amour plusieurs fois, je le reconnais, mais c'est elle qui le voulait. Elle ne cessait de me relancer. Une femme qui fait à quelqu'un des avances pareilles, on ne crache pas dessus. Hein? C'est vrai. Vous n'imaginez pas ce que j'ai pu subir durant ce temps. J'ai vécu dans la crainte que ma femme réussisse à la prendre. Une raison pour moi de dire à Helga, arrêtons, arrêtons. Moi, je ne pouvais plus. Où vous étiez hier soir vers 21h? Vous désirez réellement le savoir? Ici. J'étais à la maison. J'étais à mon bureau. Question facile. À laquelle, grâce à Dieu, je peux répondre. Est-ce que vous avez quelqu'un qui en témoignerait ? Oui, ma... Ma femme peut... Vous allez lui poser la question ? Oui, ce serait utile. Cela vous ennuie ? Mais vous ne comprenez pas dans quelle situation vous me mettez. Pour quelle raison, dirais-je, que vous me demandez de confirmer un alibi à mon sujet ? Le nom de Wichmann ne doit pas être prononcé. On ne doit surtout pas dire ce nom-là devant elle. Mon ménage en serait brisé. Je vous ai déjà dit qu'il y a longtemps qu'il n'y a plus de rapport entre nous. Il n'y a plus rien du tout. Il faudrait que vous le compreniez. Parce que cette femme ne représente plus rien. Absolument rien. En dehors du plaisir, bien sûr, mais ça... Ce n'est pas ce qui importe pour moi. Vous parlez, police criminelle. Vous êtes monsieur Lussmann ? Oui, c'est bien ça. Vous voulez quoi ? On voudrait vous parler en toute tranquillité. Oui, suivez-moi. Ici, ça ira ? Oui, ça nous ira. Connaissez-vous Helga Wichmann ? Oui, je connais. Vous venez à son sujet ? Oui. Que s'est-il donc passé ? Est-ce que son mari l'a supprimé ? L'assassin est encore inconnu. Quoi ? Ça veut dire quoi ? Vous allez me dire que Helga Wichmann... Helga Wichmann est morte, oui. Je croyais plaisanter. Elle est morte. Écrasée par une voiture. Seulement, pourquoi disiez-vous que son mari l'a supprimée ?
Il ne faut pas prendre tout ce que je dis au sérieux. Je l'ai seulement dit en rigolant. Un meurtre. Votre nom figure plusieurs fois dans son agenda. Maintes fois. Nous en concluons qu'il existait des rapports entre elle et vous. C'est beaucoup dire. Et nous supposons qu'elle était votre maîtresse. C'est la vérité. Quelque temps. Seulement, cela n'a guère duré. Mais est-ce que ça a duré longtemps? Assez pour en faire le tour. Voyez-vous, on m'a invité à une soirée en tant que pianiste. Dans la haute société. Des personnalités. Le gratin. J'ai cru que j'allais pouvoir me faire des relations qui m'aideraient dans ma carrière. J'en ai marre de ce bar. Je passe mon temps inutilement. Oui, j'avais quelques espoirs. C'est tout au moins ce que je supposais. Seulement, je dois avouer que ça ne m'a servi à rien. Alors, encore une fois, vous me dites pourquoi vous disiez que son mari l'a supprimé. Eh bien, parce que je connais ce gars. Il est glacial. C'est un iceberg. Et j'avoue que quand il me regardait, il me faisait froid dans le dos. Et je pense qu'il est prêt à tout. Monsieur Wichmann a-t-il menacé sa femme une fois en votre présence? Menacé? Jamais, non. Quand je dis qu'il est prêt à tout, c'est une impression qui me vient à l'esprit, pas autre chose. Où vous étiez hier soir vers 21h? Où j'étais vers 21h? L'heure du meurtre, sans doute. Mm-hmm. Vous m'amusez, inspecteur. C'est moi qui l'ai supprimé, peut-être. On ne tue pas si on n'a pas une raison valable. Je n'ai pas... Où étiez-vous? Mais enfin, vous savez très bien que c'est difficile à dire. Où est-ce que j'étais? Laissez-moi réfléchir une seconde. Je crois que je me suis promené. Oui, hier, c'était mon jour de congé. J'étais libre, je me suis baladé. J'ai pris l'air. Avez-vous des témoins? C'est idiot. Pourquoi des témoins? Pourquoi est-ce qu'on doit en avoir besoin pour se promener aujourd'hui? Je ne comprends plus rien. Je n'arrive pas à cerner le mari. À quoi penses-tu? Pourquoi est-ce qu'elle avait tellement d'amants? Et des gens sans aucun intérêt. Aucun qui vaille le coup. Tous les gens que nous avons rencontrés ne sont pas des gens hors du commun, que je sache. Non. Alors tu penses que cette femme serait... Je n'ai aucune explication à apporter. Elle a un air assez innocent, mais... Elle ne valait pas grand-chose, sûrement. Prudence. Prudence avant de porter un jugement particulier. Elle m'intéresse, moi. Je voudrais qu'on en sache davantage sur elle. Excusez-moi de vous avoir fait venir ici. Bonjour, monsieur. Mais à cette heure-ci, il n'y a personne. À part les serveurs, bien sûr. Je vous offre quelque chose. Merci, non. Par ici. Alors, vous avez contrôlé les noms et les numéros de téléphone? Cela n'a pas dû être un travail des plus faciles. Nous avons vu quelques-uns de ces gens. Dites ces amants, voyons, ne prenez aucun gant, ce n'est pas nécessaire. Comme je vous le disais, nous avons vu quelques-uns de ces gens et je me demande... Je vous écoute. Je me demande quel genre de rapport existait entre eux et votre femme. Des rapports étranges. C'est dans la logique des choses. Et j'avais constaté cela. On m'en a parlé aussi. Je sais que vous me faites contrôler. Je vous comprends et je n'ai rien contre. Vous tentez de vous faire une image de toutes les personnes concernées par cette affaire. Je crois que c'est exact. Oui, c'est très exact. Donc vous avez dû apprendre que je suis très vieux jeu, conservateur. Je tiens à ne pas briser des valeurs immuables que je considère comme essentielles. Entre autres, la famille et l'honneur. L'union qui est sacrée. L'absolue fidélité. Quand votre femme a commencé à vous tromper, pourquoi vous n'avez pas songé alors à divorcer? Le divorce? Il n'y a pas de divorce. Ce n'est pas une solution dans mon milieu. Une union ne peut être rompue que par la mort. Oui, par le mort. Oui. C'est une attitude un peu cruelle, peut-être. Oui, bien sûr. Attitude cruelle, bien entendu. Seulement les attitudes normales, disons, ne sont pas les miennes.
Bonjour. 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 Ralph, veux-tu sortir, je te prie? Oui, oui. Bon. Je connais ceux dont les noms sont marqués là-dedans. Pas tous, mais certains. Et je les connais bien, messieurs. C'est dans cette maison qu'elle les a rencontrés. Elle était ouverte avec moi et ne faisait aucun mystère de ses relations. Oui, comment dirais-je? Une sorte de besoin de tendresse et de sécurité. Elle ne fut comprise par personne. Vous également, sans doute. Avez-vous essayé même de la comprendre? Vous ne pourriez pas. Nous ne faisons aucune morale, bien entendu, Madame Bichemon. Comment était-elle? J'aimerais la mieux connaître. C'est difficile. Allez! Parce que je pense à elle. Allez! Attrape! Je la revois gaie, riant toujours. Allez, bien joué! Ne restant pas en place, viens. Toujours de bonne humeur. Resplendissante de joie de vivre. Elle était particulièrement douce et tendre. Elle avait un énorme besoin de donner. Un sentiment que nous avons tous, les femmes certainement plus que les hommes. Son envie d'amour était immense. Et cela me plaisait. Peut-être parce que j'étais comme elle. Oui. Et c'était ça qui déplaisait à mon fils. Il ne cessait de me dire... Il faut qu'elle cesse de se comporter comme une enfant. Qu'est-ce que tu racontes? Elle joue les naïves. C'est de la naïveté d'agir de cette façon, de montrer de beaux sentiments tout le temps. Tu n'as aucune raison de la soutenir sans arrêt. Mais c'était sa vraie nature. Elle ne pouvait être autrement. Sa nature, c'était le mouvement, la musique, les sentiments. Désolée. Elle s'excusait sans cesse pour n'importe quoi. Je crois qu'elle avait tort. Elle commençait à avoir un peu honte de ce qu'elle faisait. Elle faisait constamment son autocritique. Elle perdait toute sa liberté d'action. Elle essayait de changer pour ne pas commettre de fautes. Arrête de t'excuser. Ça devient ridicule. Elle ne cessait de trembler. Elle n'était plus en accord avec elle-même. La raison de sa propre existence lui échappait. Helga, tu pleures encore. Calme-toi. Elle disait que ce n'était rien. Qu'il n'y avait aucune raison, qu'elle ignorait pourquoi elle pleurait. Que tout cela était idiot. Ridicule, mon ange. Elle s'efforçait de faire ce qu'elle croyait être son devoir. Face que mon fils considérait comme étant le devoir d'une épouse. Il la voulait sûre d'elle-même, mondaine, de la tête aux pieds, froide, distante, distribuant à tous les banalités habituelles. Tout ce à quoi elle répugnait. Tu étais rayonnante aujourd'hui. Tu as été parfaite. Seulement, tu es restée muette. On pourrait te taxer d'indifférence. Tu dois t'intéresser davantage aux gens. Cela pourrait m'aider. Les réceptions font partie de mes affaires et tu le sais. Tu comprends? Et je t'ai posé une question. Oui, Ewald. Votre fils n'a pas de cœur. Aucun. De la classe. Il n'en a jamais eu. Il a beaucoup de gens qui naissent comme ça. Qui rayonnent.
Et il rayonne, faut bien le dire. Seulement lui, il n'a rien. Rien compris du tout. Helga était le contraire de ce qu'il lui demandait. Pas une alliée. C'était un être d'amour. Son mari ne l'aimait pas. Comment peut-on vivre sans être aimé? Comment vous étonner de tout ce qui s'est produit? Je peux vous inviter à danser? Aimeriez-vous? Oui, bien sûr, naturellement. Mais je dois me débarrasser de ce verre. Elle m'avait raconté comment elle avait connu cet étudiant. Doucement! Attends-moi! Bobby, reviens tout de suite! Bobby, arrête! Bobby! Comment peut-on vous quitter? Attendez, je vais le chercher. Aussi parler du pianiste et de leur rencontre. Le moindre sourire la faisait fondre. Je crois que... qu'il fallait que je vous le dise. Car il fallait que je vous avoue qui était cette petite. J'espère bien y avoir un peu réussi. Vous venez de faire un portrait de votre belle-fille qui est très précis. Mais votre fils également y est passé, un être sans cœur, sans sentiment, qui imposait toujours sa volonté à son entourage. C'est bien son portrait. Oui, exactement le sien. Et votre fils a accepté d'être trompé aussi simplement que cela? Pas aussi simplement, non. Au contraire. Il y a eu des scènes atroces. N'entre pas, je t'en prie, n'entre pas. Il est au courant de tout. Je ne sais pas comment il le sait. Oui, mais il m'a téléphoné, il faut y aller. Mais non, non, tu dois rester là. Mais il m'a téléphoné. Je te dis de rester là. C'est moi, ce jour-là, qui ai réussi à l'empêcher de tirer sur Helga. Vous étiez certaine, à l'époque, qu'il aurait tiré sur elle? Bonjour, Eberhard. La police est là. Ah bon, la police est là? Qu'est-ce qu'ils veulent? Il parle avec maman. Et alors? C'est parfait. Ils sont dans le living room. Bonjour, messieurs. Bonjour, monsieur Fishman. Vous interrogez ma mère? Nous avons bavardé. Eh bien, je n'ai rien contre, mais je me demande ce que vous pouvez en attendre. Ou ce que vous lui voulez. Ou alors si vous cherchez à la faire parler d'Helga. J'ai plus de cigarettes, tu veux m'en apporter? Oui, tout de suite. Vous ne m'avez pas encore répondu, messieurs. Croyez-vous que ma mère puisse faire avancer l'enquête? Oh.
Vous avez menacé votre femme avec un pistolet. Oui, 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 c'est très exact. J'avais une bonne raison d'agir ainsi. J'avoue que j'avais perdu mon sang-froid ce jour-là, ce que je n'ai pas coutume de faire. Quelles sont vos conclusions? Nous en concluons que vous alliez tirer. Oui, mais ma femme n'a pas été tuée par balle. On l'a poussée sous une voiture. Oui, mais est-ce que vous niez qu'un jour vous aviez l'intention de la tuer? Ce n'est pas un crime d'avoir envie de tuer. Et je suppose que tout le monde a eu envie un jour de le faire. Peut-être vous aussi. Réfléchissez bien. Voilà. Pourquoi leur as-tu dit? Il y a longtemps que je me demande si tu allais pouvoir en avoir le courage. Pourquoi en ai-je douté une minute? Il fallait te débarrasser de ce poids. Tu prends la mauvaise route et tu aurais grand intérêt à t'arrêter. C'est un bon conseil que je te donne. Tu prends la mauvaise route et tu aurais grand intérêt à t'arrêter. Ça s'interprète comme ça vient d'être dit. Il n'y a pas d'erreur. À quoi pensait sa mère? Il est plein de haine. De haine contre deux femmes. Contre sa femme, d'abord. Et surtout contre sa mère. Ça en a tout l'air. Fishman. Un instant, je vous prie. Maman, téléphone! Inspecteur Derrick. Oui, je vous écoute. Je voudrais vous poser une question personnelle. Au sujet de vos unions. Une seconde, inspecteur. Ralph, veux-tu me laisser seul? Oui. Mais pourquoi cette question? Oui, je me suis mariée deux fois. Mais... Seulement, j'ai divorcé. Pardon? C'est exact, j'ai pris les temps pour moi. Mon second mari est mort il y a déjà un an, inspecteur. Bonjour, madame Wichmann. C'est gentil d'être venu. Veuillez prendre place. Voulez-vous boire quelque chose? Un café, peut-être. Bien. Un café, monsieur. Je suis désolé de vous avoir obligé à venir dans ce café, mais c'est très, très important. Mon existence, bien sûr. Oui, nous connaissons maintenant le point de vue de votre fils. Il s'est fait comprendre très clairement. Votre fils Eberhard est de votre première union, n'est-ce pas? Il n'a jamais réussi à oublier mon divorce. Il avait pris le parti de son père jusqu'à sa mort. Ralph. Ralph est du deuxième mariage, alors? Oui. J'ai un jour trompé mon mari, moi aussi. C'est le mot employé en pareil cas. Helga a eu les mêmes raisons pour tromper Eberhard. Peut-on fonder un ménage et se retrouver seul? Je crois que c'est trop dur. À quoi songez-vous? Eberhard est venu chez moi. Seulement, jamais il ne m'a pardonné cette faute. Il n'a jamais pu comprendre que j'ai abandonné son père. J'ai fait de nombreuses tentatives pour retrouver son amour, mais en vain. Vous désiriez le savoir? Pourquoi? Pourquoi? Votre fils ne vous a donc jamais pardonné? Il est du genre qui ne pardonne rien, ni à lui ni aux autres. Oui, entendu. C'est bien enregistré, merci. Alors, Elisabeth Wichmann, demoiselle Stein, née en 1938 et qui a épousé le commerçant Albert Wichmann. En 1955, elle divorce avec tous les torts à sa charge. Son fils Eberhard avait à l'époque 14 ans. Elle se remarie au cours de l'année avec un nommé Walter Gebhardt. Gebhardt? Qui est mort il y a 10 ans. Pourquoi Gebhardt, puisque son nom est Wichmann? Son fils Eberhard a voulu qu'elle s'appelle de nouveau Wichmann.
Son vrai nom est Gephardt. Il ne veut pas le connaître. Sa mère est une Wichmann. Il refuse le second mariage et le second nom de sa mère. Et c'est intéressant pour le meurtre, pour la poursuite de l'enquête? J'en sais rien, peut-être. Stéphane, les affaires de famille ne nous regardent pas. Nous voulons un meurtrier. Quelqu'un était bien au coin de la rue et a poussé Helga sous la voiture. Il faut savoir qui c'est. Bonjour. Bonjour, Ralph. On peut entrer une minute? Bien sûr. Merci. Mais mon frère vient de sortir. Votre mère est là? Oui, elle est là. Nous aimerions de nouveau vous parler. Oui, venez. Votre fils Eberhardt a toujours refusé de reconnaître votre second mariage et votre deuxième nom. Oui, il les a totalement refusés. Bon. J'ai une petite question. Est-ce que Ralph, il l'a accepté? Je veux dire, est-ce qu'il l'a accepté en tant que frère? Accepter Ralph en tant que frère? Non. Il n'a jamais pu le considérer comme un frère. Il l'a refusé aussi. Il est loin d'être désagréable avec lui. Seulement, Eberhardt le traite un peu comme un domestique. Mais pourquoi cette étrange question? Ralph aime-t-il son frère? Oui, naturellement. Je pense qu'il adore son aîné. Il tient à son frère. Ralph tient tant que ça à son frère? Oui. Il s'est battu sans arrêt pour... Pour être reconnu. Pour être reconnu et pour... Pour être aîné. Est-ce qu'on pourrait dire que Ralph ferait n'importe quoi pour être reconnu et être aimé par son frère? Vous pensez à quoi, monsieur? Vous voulez en arriver à quoi? Vous supposeriez que... Vous supposez, vous, que... Où était Ralph à 21h au moment du crime? Savez-vous où il se trouvait? Chez vous, où était-il ailleurs? Je pense... Non, c'est vrai. Non, il n'était pas chez nous. Voilà. Ah, Eberhardt, les deux policiers sont revenus chez nous. Et alors, pas de panique. Ralph? Oui? Venez une seconde. J'arrive. Nous venons d'apprendre qu'au moment précis où Helga est morte, vous n'étiez pas ici. Où vous étiez? Alors, répondez-nous. Où vous étiez? Répondez-nous. Est-ce vous qui l'avez poussé sous les roues? Dites la vérité. Vous savez, c'est moi qui suis fautif si ce garçon s'est décidé à agir d'une telle façon. Il n'était pas d'accord avec ce qui se passait, et c'est tout à fait normal. Un jour, je me rappelle que je lui avais dit où ma femme recevait ses amants, que je l'y avais suivi. Et son imagination a fait le reste, sans aucun doute. J'étais énervé, je lui ai tout raconté, mes filatures et les rendez-vous dans ce bistrot sordide. Je l'ai averti que j'avais pensé à une punition méritée, que je la pousserais sous les roues d'une voiture sans qu'elle sache d'où viendrait le coup. J'ai fait une grosse erreur.
Ces paroles, que je regrette, bien entendu, ont dû déclencher quelque chose dans son esprit avec le résultat que nous connaissons. Il a attendu ma femme à la sortie de ce bistrot. Il se tenait derrière elle et il l'a soudain poussée sous les roues. Il est venu me le dire aussitôt. Je ne sais pas à quoi ma mère songeait en me visant, mais elle a voulu me tuer. Il faudra que je lui pose la question un jour. Eberhard! Eberhard!